السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استجابة لطلب بعض الزملاء حول طريقة كومون انتغري دي دوكيمون دو بي مون مانيوال سكولير افيك اكستنسيون بي دي اف دون لا بريباراسيون دو مي لوسون. ربما موضوع هذا الفيديو اصبح مسألة معروفة لدى الأغلبية، ولكن بما انني وعدت هؤلاء الزملاء بتقديمي على شكل بتقديم شرحي للعملية او كيف تتم العملية على شكل فيديو، فانا اقوم بذلك. إذن اخترت في هذه الحالة لو دوزيام شابيتر سي لا ريسبيراسيون دون لي ديفيرون ميليو، لأن آخر بطبيعة الحال دوكيمون آخر ملف بيان سور بي دي اف تقاسمته معكم كان حول لا ريسبيراسيون دون ديفيرون ميليو. دون سو كالا في هذه الحالة إل يا دو سيناريو. لو بروميي سيناريو الأستاذ في هذه الحالة سوف يستعمل هذه الوثائق كمعينات ديداكتيكية، سوف يقوم باستنساخها عديد لا فوتوكوبي، يوزعها خلال الحصة الدراسية على التلاميذ بطبيعة الحال لتوظيفها من أجل بناء تعلمات بطبيعة الحال المستهدفة خلال هذه الحصة. السيناريو الثاني أن الأستاذ يحضر الدرس ديالو على شكل بصيغة بي بي تي، عرض بي بي تي باوربوينت. إذن في هذه الحالة يحتاج إلى l'intégration de ces documents, bien sûr, dans sa présentation PPT. Donc, je vais prendre l'exemple de la respiration, le cas de la respiration aquatique. Une mise en situation au début est nécessaire. Les apprenants le savent très bien, un poisson dans l'eau, il est vivant. En dehors de l'eau, notre poisson meurt. Ils le savent aussi, bien sûr, puisque c'était le sujet de la leçon précédente, bien sûr, la respiration dans l'air, dans le milieu aérien, notamment la respiration pulmonaire. Bien sûr, les apprenants savent très bien que l'air contient le dioxygène nécessaire à la respiration. Donc, notre constatation, c'est que l'organe que possède bien respiratoire, que possède bien sûr le poisson, ne lui permet pas d'absorber le dioxygène contenu dans l'air. Au niveau duquel, bien sûr, dans ce cas-là, le poisson possède un organe différent du poumon. Cet organe différent du poumon, bien sûr, elle est capable, dans ce cas-là, bien sûr, d'absorber le dioxygène, mais qui est dissous dans l'eau. Au niveau de cet organe, bien sûr, se feront les échanges respiratoires entre l'eau et le sang. Qu'est-ce qu'on recherche? On recherche, comme vous allez le constater, et je l'ai déjà dit, bien sûr, c'était le sujet de la leçon précédente, si les mouvements respiratoires, dans le cas de la respiration pulmonaire, permettent le renouvellement de l'air dans les poumons, c'est-à-dire il crée un courant d'air. La question qui se pose, bien sûr, dans notre cas-là, quels sont les mouvements respiratoires, cette fois-ci chez le poisson, qui vont lui permettre de renouveler l'eau, c'est-à-dire créer un courant d'eau. Je me pose la question, quel document permettra à l'apprenant de dire que l'eau chez le poisson entre par la bouche et sort par les huisses sous les opercules? Dans ce cas-là, j'ai besoin d'un document fonctionnel. Il s'agit d'une expérience ou d'une manipulation. Si cette expérience est réalisable en classe, c'est bien. Si ce n'est pas le cas, bien sûr, on va se contenter de ce qu'on appelle des résultats expérimentaux. J'ai mon document, je m'excuse, j'ai mon document, bien sûr, une partie de mon manuel scolaire dans, sur laquelle je retrouve ce document-là dont j'aurai besoin. Je vais l'utiliser, bien sûr. Il s'agit d'un schéma, c'est une image représentant. Bien sûr, une petite manipulation, on dépose de l'eau colorée au niveau de la bouche du poisson quand elle est ouverte. On voit très bien, bien sûr, que l'eau colorée ressort, plutôt sort, sous les opercules par les huisses. Donc, j'aurai besoin de ce document-là. Bien sûr, je dois le découper et l'intégrer dans ma leçon. Il y a deux possibilités. Soit que j'ai mon lecteur PDF, bien sûr, la possibilité de faire une sélection de cette partie de ce document, bien sûr. Dans ce cas-là, c'est bien. Ce type de lecteur de PDF, il est professionnel. On peut aussi intégrer des textes, intégrer des formes. On peut aussi insérer des images et autres, bien sûr. Si ce n'est pas le cas, je ne possède pas ce type de lecteur PDF, je peux tout simplement utiliser mon clavier en cliquant, bien sûr, sur FN et impression écran. En cliquant sur ces deux boutons, bien sûr, je fais une capture écran, c'est-à-dire mon écran sera capturé et je vais sur Paint pour la coller. Une fois collée, bien sûr, vous le savez très bien, je peux la recadrer et je peux bien sûr l'enregistrer. Une fois enregistré,
Je vais faire appel à mon image, bien sûr, je vais l'insérer sur ma présentation PPT. Donc, première partie de la manipulation, deuxième partie de la manipulation. Je peux aussi, c'est très intéressant, bien sûr, ajouter des petites consignes, un questionnaire, bien sûr, qui accompagne ce document-là. Par exemple, je vous propose, petit 1, d'écrire le protocole expérimental dans cette expérience. C'est très intéressant. Les apprenants doivent s'habituer à décrire le protocole des expériences. Deuxièmement, décrire les résultats de l'expérience. Elle est claire, bien sûr, dans la deuxième partie de notre document. Et troisièmement, je vous propose, bien sûr, que peut-on déduire de cette expérience? Comme vous le constatez, vous venez de construire un document avec des consignes qui peut-être, bien sûr, didactique et بإمكانهم بطبيعة الحال استغلالها وتوظيفها لبناء التعلمات خلال الحصة الدراسية. بطبيعة الحال الإجابة على الأسئلة سيمكنهم من بناء هذه التعلمات. شكرا.